Et bonjour à tous, c'est Matt du 29 et donc on se retrouve sur Farming Simulator 15 sur la map All Season version 2. Donc c'est parti. Alors j'ai redémarré celui-ci, mais en fait il y a des problèmes avec les voitures qui l'emmerdent. Donc celui-ci on va le lancer. Par contre je vais aller avec celle-ci pour tout simplement. Commencer ce champ donc avec la Grim Maxtron en mode modifié, donc avec une grande coupe et du moins avec une grande capacité. Donc on va tout simplement attendre que le camion, que le tracteur plutôt arrive jusqu'à la moissonneuse. Et ce que je peux faire en fait, c'est que celui-là je peux le faire moi-même. Et puis, arrivé à un moment, bah, on fera autre chose. Hein. J'irai voir notre ami la moissonneuse pour tout simplement la démarrer et puis la vider. Là, les deux sont coincés. Je sais pas pourquoi. Il y a trop de camions, trop de voitures. Oh, c'est chiant. Bon, bah, on va continuer avec ça toujours. Hein? Et puis après, on verra. Donc, du coup, j'ai loué la Green Maxtron en mode. Donc, pour une jour, je crois. Donc, on verra. Il y aura peut-être des champs qu'on fera. Ouais, bon d'accord. Qu'on fera du coup en automatique. Celui-ci, je pense que je vais le faire en normal. Parce que vu les arbres qu'il y a sur le champ, c'est pas folichon. Alors, du coup, j'ai mis le mode soil management pour tout simplement aussi savoir à combien on est à l'humidité, le pH, s'il est neutre ou pas, le nutriment, tous ces trucs-là. Voilà. Donc, je sais pas du tout comment ça fonctionne. Je sais juste que ça permet de, quand il y a des, on peut avoir en fait sur le sol des mauvaises herbes, on peut avoir, donc en fait ça. Ce qu'on aime sur farming. Alors, bon, je sais pas si c'est réel cette machine d'avoir une grande coupe comme ça, mais bon, tant pis. Bon, elle est toujours bloquée là, t'as. Ouais, mais c'est tout le temps les mêmes. Voilà, celui-là est parti. Le man, il est bloqué. Allez, on va se vider. Les voitures, elles sont chiantes ici. Donc lui, par contre, je vais attendre. L'autre arrive. Comment ça j'ai pu? C'est moi son champ 30. Ouais, il reste un petit peu en dedans, mais bon, on va demander. Pourtant celui-ci là sa course. Ouais, il faut que je mette, j'avais mis le transborder mais j'ai refait la course. Donc c'est lequel?
130. C'est ça. Ok. Et donc ici, il faut mettre la moissonneuse. Donc là, l'action. 780 TT. Allez, il y va tranquillement. Alors. Bon, l'autre, elle est pleine, hein, mais bon. Allez. Donc, je vais faire un détourage d'abord. Et après, je prendrai mon camion. Et puis, on fera tout simplement le vidage. On va faire un cercle. Bah, on va faire un détourage, un bon gros détourage. Et puis après, ce sera plus simple. Hop là. Pour le mettre en automatique. Mais je crois que j'ai déjà fait la course. Il y a juste à prendre la course de la betterave. Hein. Voilà. Mais tenir après, tenir les champs, je les ai loués. Il faut savoir qu'avec le nouveau Bank of Afghanistan, donc le mode Bank of Afghanistan, la nouvelle version, on a la possibilité de faire ce qu'on appelle de la location de champs. Ce qui peut être pas mal. Je trouve ça pas mal, franchement, d'avoir fait la location de champ. Alors ici, je vais juste le mettre comme il faut. Du coup, on va faire démarrer la course. Elle est à 88 hein, quand même. Alors, du coup, je vais prendre. Et lui, il est bloqué. J'ai serré trop fort en fait au niveau du virage. Mais bon, c'est pas grave. Mais j'ai l'intention de changer, de mettre des petits tracteurs au lieu de mettre des gros camions. Je ferai ça pour la prochaine fois. Alors du coup, lui, je vais le prendre. Et puis on va aller vider la moissonneuse. Bah là, là. Pas la moissonneuse, l'arracheuse à betterave. Qui, normalement il a et qui attend d'être vidé. Hop, je sais pas si ça va vite ou pas de faire comme ça. Donc on va vider un petit peu celle-là. Par contre, le casse, il est bloqué. Le casse est bloqué. Forcément, il s'est pris un arme. Par contre, je vois, et voilà, on va vider ça. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais le relancer. Et la machine, elle est là. Par contre, il y a une touche pour vider que je paramétrerai sur mon volant. On va attendre qu'elle arrive en dessous. Voilà.
Bon, ça c'est fait. Celle-ci, elle fait son tourage tranquille. Celui-ci, il est encore bloqué une fois de plus. Faudra que je refasse une course, mais je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais faire une course, mais pas avec des camions, plutôt avec des petits tracteurs, parce que c'est une carte quand même qui est assez petite, donc les camions, c'est pas terrible, sauf pour les transports de machines avec le chariot, le comment on appelle ça, le porte-char, mais sinon c'est la merde. Sauf quand on est en multi. Par contre, tu n'as pas voulu vider. Alors du coup, je suis obligé de te ramener pour te faire vider. Pourquoi il n'a pas vidé? Je ne sais pas. Pourtant, il était juste à côté de là où il fallait vider. Voilà. Là, il y a marqué le trigger est atteint. Donc, normalement, il va vider dedans. Voilà. Et il sera prêt pour remplir l'hôte. Ouais, du coup, il commence comme ça, lui. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais éviter quand même de rouler sur les morceaux qu'il a pas fait, lui. Bon, si je peux rouler un tout petit peu, mais il faut faire gaffe quand même. Donc, du coup, on va attendre, tout simplement. Merde. Ce que je vais faire, on va faire la course ici. Mais par contre, je vais vider moi-même parce que non, je vais vider moi-même. Pire, ce que je fais, c'est que je prends l'arracheuse et puis je la vide moi-même. Donc on met la bâche, bien évidemment. Par contre, d'enfin, on met une 15, les véhicules. Je trouve qu'ils sont assez... l'IA, en fait, est plus costaud que dans le 13. J'ai aucun souvenir dans le 13 des véhicules qui étaient vachement difficiles à foncer dedans, mais là on fonce dedans, on rebondit en arrière. D'accord, bon. Maintenant je suis bloqué. Parce qu'il y en a devant et derrière. Hop, allez, on va mettre le 4W. Ah, oh, ça va être chaud. Putain. Bon. Donc, du coup... Et là, tu fais quoi là le... Je vais le laisser là, tant pis. Hein. Attends que la position d'attente soit libérée. What? Ça c'est pas normal. Voilà. Il faut sortir de là parce que sinon il y a un rapport et donc la semaine prochaine il y aura plutôt des tracteurs hein. Parce que là avec le course play c'est plus simple, ce sera même plus rapide je pense. Je vais juste reprendre celui-ci
Donc je vais aller vider directement dans le truc de la dans le silo pomme de betterave de la ferme. Et puis voilà. Donc avec bah on verra ce que ça donnera avec le seul mode. Et puis voilà, donc du coup cet après-midi on se retrouve aussi pour du Farming 16 sur PS Vita comme d'habitude. Ah ouais. Ah putain merde. Quand j'ai des murs, c'est vraiment des murs. Hein. Bon, quand j'aurai vider celui-là, je repartirai par en bas, comme ça il sera plus coincé. Par contre, j'ai oublié que celle-ci. Mais là, elle sera pleine du coup. Quand je dis que c'est vraiment chiant avec les gros camions, c'est juste que quand on se vide ici dans les silos de betteraves. C'est que peut-être qu'ils sont profonds là avec ça, avec le. En fait, j'ai acheté du coup le grand hangar pour les betteraves et pommes de terre. Mais le seul problème, c'est que le camion il recule pas assez pour pouvoir ressortir comme il faut. Parce que j'ai réussi à faire la course, mais après il se bloque. Il se bloque dans le coin du hangar en face, donc c'est pas la peine. Par contre, là, j'aimerais bien. Ouais, c'est chiant. Bon, je vais aller tout droit. Parce que j'avais réussi à faire. À créer la course de vidage. Mais à chaque fois, il se prenait dans le coin du hangar en face. Donc, du coup. Ça marchait pas bien. Allez, on va essayer de rentrer. Normalement, ça rentre. Hop. Quoi? Ah, parce qu'en plus les betteraves c'est dans l'autre. Oh, c'est chiant. Et là je me prends le coin du truc pour vider. L'autre il est coincé à cause des véhicules. Allez. Alors, et donc normalement il y aura un petit unboxing aussi la semaine dans la. Il y aura un petit unboxing dans quelques temps. Non, non, qu'est-ce que je raconte? Alors du coup. Je vais pas faire de vidéo sur le nouvel add-on, parce qu'il y en a plein qui ont fait déjà. Donc on verra. Pourquoi 1? C'est quoi le 1? C'est là où je comprends pas ce que c'est en fait. Je sais pas comment ça fonctionne le seul mode, donc on verra. Mais je trouve qu'il y a aussi beaucoup trop de véhicules en circulation sur Farming. Alors soit je mets sur off l'IA. Putain, mais là tu me fais chier. En plus il avance quoi. Allez, j'y vais. Mais il n'arrive pas à faire tout seul en fait ce que je vais devoir faire déjà. Et d'une, c'est de régler le problème de remplacer les camions par deux tracteurs au moins. Parce que sinon ça va être chiant et vu que c'est une petite map, je vois pas pourquoi j'ai pris de grands camions. Là, les camions sur cette map, elles peuvent servir en fait pour, oui comme j'ai dit tout à l'heure, porter
les charges lourdes comme avec les porte-chars par exemple, ou des choses que comme ça, quoi, pas. Alors, ce qu'on va faire pour vider la machine, on va le faire soi-même parce que sinon ça va être chiant. Mais avant, je vais débloquer l'autre tracteur. Ah, il est vide. Ouais, tu fais chier. Voilà. Bien, le camion n'est pas plein. Elle attend d'être vide. Donc on va appeler le chauffeur. Comme ça, dès qu'il arrivera au champ, il viendra la vider. Et nous, en attendant, du coup, je vais enlever tous les points. Ça sert à rien. Et je vais même arrêter la course. On va le faire soi-même. Elle est pas mal comme ça aussi. Cette petite, cette arracheuse même. Allez, hop, on va vider tout ça. Et puis après, on continuera tout seul. Alors par contre, ce que je vais peut-être faire, quand on verra le tracteur arriver à côté de la moissonneuse, j'irai simplement le vider. Ben, activer. Activer le village. Par contre, là, je vais être obligé d'aller vider déjà la remorque. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais relancer celui-ci. Alors, celui-ci après, j'active le vidage. On a pour un moment avec ce champ. Ouais, mais si, parce que tu n'actives pas tout seul. Et ça, je trouve ça dommage. Que la machine. Que le couvre pas le vidage en fait. Alors, limite, ce que je préfère, c'est prendre plutôt une machine. Malgré que ceci soit bien. Et si je suis obligé d'aller à chaque. Mettre en marche, ça va pas être. Du coup, je suis obligé d'aller vider celui-ci. Parce que là, avec les 84%, ça peut être que non bénéfique. Donc du coup, ce que je vais faire la semaine prochaine, c'est changer les camions par deux tracteurs. Donc on va prendre la moyenne remorque, la crampe Big Body 900 plutôt. Deux crampes avec deux crampes, oui. Avec du coup deux petits tracteurs. Donc deux, on va prendre deux Magnum. Hein, comme ça, on va pouvoir manger des glaces. Non, je plaisante. Et puis, oh putain, quel con. Arrête tes mort moineux. Et non, on va arrêter sur ces blagues là, con. C'est con. Putain, ça me fait rire en plus. C'est ça qui est chiant. Allez, vas-y. Pour une fois où je rigole tout seul. Ce qui m'arrive des fois, mais bon, c'est un peu limite. Du coup, ce que je vais faire, alors, soit je vais les acheter. Par contre, je vais peut-être rembourser un peu le prêt quand même. Parce que 1 million, j'ai pris 1 million, mais bon, c'est un peu trop, je trouve. Allez. Du coup, je vais prendre ça. Alors, après. Il faudra que je m'achète aussi. Alors par contre, ce que je m'achèterais, ça serait plutôt des. Donc, une fois qu'on aura fini la moisson, je m'achèterai tout ce qui est travaux de champ. Et on va s'acheter les du début de la ferme en fait. Les 4 ans qui sont pas loin de la ferme. Donc le 16, le 16 j'en ai le 17 aussi. Donc le 18 que je m'achèterai.
Je sais plus si on a le. On a des chances. Le 15. Je m'ai acheté quelques champs. Après, ce que je peux faire, c'est les louer aussi. Mais. Bon. On verra. Donc, tout ce qui est truc à lait, donc vache et tout ça, en verra. Pour l'instant, ça sera mis déjà de. D'irradier tous les. Tous les. D'irradier, non, de récolte champs qui sont. Prêts, hein, que j'ai. Pour pouvoir les ramasser. Par contre là je suis pas bon. Voilà. Hop, stop. Et hop, on vide. Comme ça avec les petits tracteurs, vraiment ça sera beaucoup plus simple pour vider les moissonneuses. De toute manière. Et puis non, mais surtout que ça fera des véhicules un peu plus courts quoi. Un ensemble plus court. Donc plus facile à manœuvrer pour le course play. Et puis voilà. Donc du coup, je ramène du coup le camion en bas. Je vais être obligé de passer par là. Hein. Donc après, quand on aura l'argent, on pourra s'acheter. Quand on pourra faire les vaches, on fera les vaches. Le lait, je le vendrai pas. Je mettrai le mode stop milk. Pour tout simplement que le lait ne se vende pas tout seul. Parce que on a quand même un mode super bien, c'est le Milk Max, donc qui permet du lait, baril de lait quoi, les gros barils qui se rechargent en fait avec le avec, donc une sorte de cuve en fait qui fait fermenter le, ben, qui fait du lait en baril et une fois il se vend quand même, il se vend. Alors attendez, je vais garder ça, je vais garder là, ouais, c'est bon. Je crois, alors c'est 2000 euros le baril. Donc c'est quand même 2000 euros. Alors vu que j'ai une petite remorque, je peux mettre au moins une bonne dizaine, voire un peu plus. Je ne sais plus combien je mets. Ah oui, d'accord, ça l'a vidé. Ce que je vais faire. L'autre, elle a pas tout à fait fini ici. Non, elle arrive à 100% déjà. Ah zut alors. J'arrive au champ, c'est bon. Elle est où? Bon, elle attend de se faire vider, elle. Donc on va la vider. Et ce que je vais faire peut-être avant, c'est d'activer le vidage. Elle va tirer après. Hein. Quand ça accélérera, ça repartira. Alors, ce que j'ai envie de savoir, est-ce qu'ils vont ou pas sortir pour puisse acheter séparément les pièces du volant de farming, parce que je serais plutôt intéressé moi par le truc de contrôle, le panel de contrôle avec le petit stick et tout, ça m'intéresserait beaucoup. Je serais plus intéressé par ça que par le volant, parce que j'en ai déjà un volant. J'ai déjà le T500RS, donc je veux pas avoir. Voilà. C'est ce que je voudrais, mais bon, après, combien ça coûte? Est-ce qu'il faut arrêter? Parce que sur le site de Modcast, donc le site qui vend en fait des. Le site où ils vendent en fait le volant, mais c'est américain et canadien, et on peut pas l'acheter en France, donc pour l'instant. Et je sais pas s'ils vont le vendre séparément, c'est-à-dire parce que pour l'instant, la seule chose pour l'acheter, c'est tout simplement l'acheter sur Amazon ou autre site. Avec, donc on a le volant, donc le volant plus pédale avec le contrôle panel, bah la console de contrôle plus l'édition gold de farming. Et moi je veux juste que le panneau de contrôle, donc je sais pas si ça sera possible ou pas. Il faut d'abord en séparer les pièces et savoir le gold parce que j'ai déjà le jeu, donc ça sert à rien que voilà. Donc la grime vient de finir, ok, donc pour la prochaine fois du coup je la mets sur un autre champ. Donc je la vide, je la mets sur un autre champ. Je prévois d'acheter, donc de changer les deux camions par deux tracteurs et deux remorques. Et
Et puis voilà, ça sera tout. Donc du coup, on se dit à cet après-midi pour du Farming 16 sur PS Vita, comme tous les vendredis après-midi. Donc on se dit à tout à l'heure. Allez.